بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on poursuit notre lecture du chapitre concernant le mérite des actes tiré du livre du Jardin des Vertus Riyad al-Salihin de l'imam al-Hafidh al-Faqih Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Shafi'i Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. On s'était arrêté dans le cours, dans le hadith précédent, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, radallahu anhuma, dans lequel il fait mention qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque vous entendez l'appel, répétez ce qui est dit, puis priez sur moi. Car celui qui prie sur moi une fois, verra Allah prier sur lui 10 fois. Puis demandez à Allah qu'il m'accorde le droit d'intercession, car c'est un rang au paradis qui n'est accordé qu'à un seul des serviteurs d'Allah azza wa jal, et j'espère être celui-là. Celui qui demande que me soit accordé le droit d'intercession bénéficiera de mon intercession. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Donc ici dans ce hadith, il y a plusieurs fawaïd. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans le chapitre concernant les mérites du adhan. Donc le muadhin, il fait son adhan, l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhirihi. Et il convient donc, conformément à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui l'a entendu, de répéter également ce que dit al-mu'adhdhin. Excepté quoi donc? Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Accourez à la prière, venez à la prière, et accourez à la félicité. Pourquoi celui qui entend ne répète pas ses propos, étant donné que c'est lui qui est appelé. C'est lui qui est appelé. On m'appelle, on me dit, viens, accours, je ne vais pas répéter, viens, accours. Tamam. Mais, par contre, ce qu'on doit dire à ce moment-là, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tamam. Nasta'inu billah. On demande à Allah Azza wa Jal, on cherche protection, on demande secours auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasta'in, on s'aide justement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour répondre à cet appel, pour répondre à cet appel, en sachant que cette kalima, c'est une kalima qui est azima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré et a dit que cette parole était quoi donc? Un paradis parmi les paradis du paradis. Parmi les paradis du paradis. Parmi les trésors du paradis. Comme il est dans le hadith de Abdullah ibn Qays, Abu Musa al-Ash'ari, radhiallahu anhu, قال: le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ala adulluka ala kanzin min kunuz al-janna? Qala bala ya rasulallah. Qal qul la la hawla wa la quwwata illa billah. Ne vais-je pas t'informer d'un trésor parmi les trésors du paradis? Il a répondu: mais certes que oui, j'aimerais bien. Il lui a dit la parole: la hawla wa la quwwata illa billah. En sachant que celui qui fait cela, celui justement qui fait cela, eh bien, il a comme s'il avait entre ses mains un trésor parmi les trésors du paradis. Un trésor parmi les trésors du paradis. Wahakada. Et ensuite, après ça, on se doit de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se doit de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur lui. Il prie sur lui. Tamam. Hakada. Et il a prié ses invocations, supplications. Mais quand la prière, comme on a vu que le hadith Abu al-Ali al-Riyashi, comme l'a apporté al-Bukhari mu'allaqan, la prière d'Allah azza wa jal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'Allah évoque son prophète auprès de la haute assemblée. Par contre, la prière d'Allah sur le serviteur, c'est quoi donc? C'est que ils invoquent Allah al-Rahma ou al-Maghfira pour son serviteur, et Allah yastajib, et Allah de répondre et d'exercer cela, inshallah, comme l'a mentionné l'ulama fi kutubihim. Ensuite, on invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on demande qu'il ait l'intercession, al-wasila, l'intercession.
al-wasila. Et de quelle façon? Comme cela est mentionné dans le hadith, hadith authentique, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma wa as-salata al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wa al-fadila, wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu. Tamam? Ça, c'est la fameuse dua. C'est la fameuse invocation qu'on fait, dans laquelle on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, et on demande à Allah azza wa jal d'octroyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-wasila, ati Muhammadan al-wasila, justement, l'intercession. Quelle est cette intercession? Quelle est cette intercession? Hein? C'est ce al-shafa'a, l'intercession yawm al-qiyama. Yawm al-qiyama. Tayyib. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et établis-le sur la station louée, al-maqam al-mahmoud. Tamam. Comme fait le Ta'ala, عَسَى أَنْ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Peut-être que ton serviteur t'établira sur une station qui est louée, élevée. طيب. Al-maqam al-mahmoud, les ulama, ils ont divergé sur la question, تَكَلَّمُوا فِيهَا, et ça on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi kutub al-mu'taqad, dans le livre du dogme, on verra bi'dhillah azza wa jal ce qui a été dit concernant al-maqam al-mahmoud. Mais beaucoup disent encore une fois qu'il s'agit là de al-shafa'a. Beaucoup disent encore qu'il s'agit là al-shafa'a. Ou d'autres encore, comme on le verra bi'dhillah azza wa jal. Donc celui qui fait cela, qui accomplit cela, comme cela est mentionné dans le hadith, alors il obtiendra quoi donc? L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama, wa hadha fadlun azim. Et ça, c'est un mérite qui est énorme. Wallahu al-musta'an. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala idha sami'tum an-nida' faqulu kama yaqulu al-mu'adhdhin. Muttafaqun alayhi. Lorsque vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le muadzin, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man qala hina yasma'u an-nida' Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqama mahmudah mahmudan alladhi wa'adtahu. Selon Jabir ibn Abdullah, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui dit lorsqu'il entend l'appel à la prière, ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière qui est sur le point d'être accomplie, accorde à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-wasila et la fadila, le droit d'intercession et le haut rang, et assigne-lui le rang honorable que tu lui as promis, le rang honorable, le maqam al-mahmoud, que tu lui as promis. Méritera mon intercession au jour de la résurrection. Rawahu al-Bukhari. Tayyib. Dans cette invocation, il y a une ziyada. Al-Bukhari lui rapporte uniquement alladhi wa'adta. Khalas. Tayyib. Et il y a un ajout, il y a une ziyada qui est « Innaka la tukhlifu al-mi'ad ». Certes, tu ne trahis pas ta promesse. « Adakhtalafu fiha al-ulama wa ahl al-hadith » concernant le fait que cette ziyada, cet ajout, est-ce qu'il est authentique ou non. Certains ont affaibli cet ajout et ont dit que « Innaka la tukhlifu al-mi'ad » ce n'est pas un ajout qui est authentique. Et d'autres ont dit que celui-ci est bien au contraire. Il est authentique. Al-Muhim ala kullin, quoi qu'il en soit, ici on voit bien donc, encore une fois, le fait, l'importance de répéter ce que dit Al-Mu'adhdhin et d'avoir la récompense de cela, la récompense de répéter ce que dit Al-Mu'adhdhin, tamam, et également le fait d'invoquer pour le prophète, sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, invoqué pour lui al-wasila, al-wasila, tamam, wal-fadila.
Et ceci, que ce soit après avoir entendu l'adhan, ou bien même entre les deux adhan. Car il y a un hadith du prophète Sassam qui dit Anna du'a bayna al-adhan wal iqama la yurad. L'invocation faite entre l'adhan et l'iqama, elle n'est pas rejetée. Subhanallah, elle n'est pas rejetée. Voyez. Donc on doit invoquer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour que le prophète sallam ait ce maqam al-mahmoud. Et comme je vous le dis, le maqam al-mahmoud, ikhtalafu fiha al-ulama. Est-ce que c'est al-shafa'at al-uzma? Est-ce que c'est la grande intercession ou autre, etc. Al-kathir, yiqouloun, comme quoi c'est la grande intercession, mais il n'a pas été dit que cela. Certains ont dit d'autres choses, d'autres éléments, qu'on verra ça, bidhillah azza wa jal, dans Kutub al-Mu'taqad, comme on l'a dit. Et ceci fait référence au verset, fi surat al-Isra, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et également la nuit, réserve un temps pour que tu puisses pratiquer at-tahajjud, te réveiller et pratiquer des prières surérogatoires pour Allah Azza wa Jal. Et il se peut qu'Allah t'envoie un rang honorable, al-maqam al-mahmoud. Donc celui qui a ça, حِلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَمُ الْقِيَامَةِ. Celui qui fait cela, حلت له شفاعتي يوم القيامة. Méritera mon intercession au jour de la résurrection. Ensuite, l'imam al-Nawawi, رحمه الله تعالى, il poursuit encore avec un hadith. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم وقال كذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Donc selon Sa'd ibn Abi Waqqas, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui dit lorsqu'il entend le mu'adhin dire, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager, j'ai agréé Allah comme seigneur, Muhammad comme messager, et l'islam comme religion, verra ses péchés pardonnés. Rapporté par un musulman. Et dans un autre hadith selon Anas ibn Malik, radhiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les invocations ne sont pas rejetées entre le grand appel et le petit appel. Bayn al-adhan wa al-iqama. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, qui le qualifie comme étant Hassan. Donc ici, le croyant doit profiter de ce moment béni, durant lequel les invocations ont tendance à être exaucées. Donc ici, le Moussannif, il nous rapporte ce hadith-là, dans le chapitre concernant Fadl al-Adhan, l'absolution des péchés. Tu répètes ce que dit al-Mu'adhin. Ensuite, tu proclames Tawhid, Shahada, après cela. Et ensuite, tu formules cette parole. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin rasoula. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont effacés. Allahu Akbar. Entre les deux adhan, les invocations sont exaucées. Donc tout ceci, barakallahu fik, sont des moments, des opportunités qu'on doit saisir. C'est des moments propices à l'exaucement des prières. Il faut multiplier les invocations, les supplications, les requêtes. Mais en même temps, le croyant al-mu'min, il doit observer toutes les conditions, tous les éléments qui vont favoriser justement l'exaucement des prières. Répéter ce que dit Al-Mu'adhim, être en état de Tahara, venir Mubakkaran, venir tôt à la Salah, ila akhirihi. Donc tout ceci sont des mérites qui sont importants et qui sont grandioses. Onvur, la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Rahmatullah azza wa jal. Min ni'am. Des bienfaits parmi les bienfaits d'Allah qu'il a octroyé à cette communauté. La facilité de pouvoir obtenir des degrés, de pouvoir obtenir l'absolution des péchés, l'expiation des péchés, de pouvoir obtenir le haut rang, de pouvoir obtenir l'accès
à l'exaucement des prières et des invocations par le biais de simples supplications à certains moments comme ça où la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala est distribuée et donnée, subhanallah. Bien sûr, celui, il est perdant. Il est perdant, khasir, celui qui ne saisit pas ses opportunités, justement ses opportunités pour demander pardon à Allah azzawajal, demander le tawfiq à Allah tabaraka wa ta'ala, la réussite à Allah azzawajal, pour demander l'affermissement à Allah tabaraka wa ta'ala, pour demander à Allah azzawajal le firdaus al-a'la, al-firdaus al-a'la, tamam, le plus haut degré du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ida sa'altum al-janna, fas'alu al-firdaus al-a'la. Si vous demandez le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous demandez le paradis, demandez al-firdaus al-a'la, le plus haut degré du paradis. Demandez al-firdaus al-a'la. Et ça contredit ce que disent certaines personnes lorsqu'ils disent: ouais, mais moi de toute façon, je demande le paradis, déjà si je rentre au paradis, alhamdoulilah, ya rajoul, demande le plus haut, subhanallah, et une haute opinion de ton Seigneur. Et une haute opinion de ton Seigneur. Demande le plus haut. Demande ce qu'il y a de meilleur. Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Peux-tu te priver de ce que Allah possède, de ce que Allah détient, et de ce que Allah est capable de te donner? Subhanallah. La hada su'ada ma'allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est un mauvais comportement et une mauvaise attitude à l'égard d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Inna l'insana la zalumun kaffar. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous ne pourriez y parvenir. Mais certes, l'homme est injuste et ingrat. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى سرت لنا بذل الله عز وجل et avec cela on a fini ce sous-chapitre qui concerne les mérites de l'adhan وفي الدرس القادم dans le prochain cours إن شاء الله تبارك وتعالى on va voir les mérites concernant les prières باب فضل الصلوات نسأل الله الكريم رب العرش العظيم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين